Bienvenue à tous dans cette émission spéciale de À l'affiche pour les 100 ans de Disney. On commence par un petit regard dans le rétro. Walt Disney Company fête cette année son centenaire et à l'origine, il y avait deux frères. L'un plein d'imagination, l'autre doué pour les chiffres, le créatif Walt et le financier Roy. Walt Disney a inventé Mickey et toute une série de personnages aujourd'hui familiers. Qu'avait-il en tête ? Reportage de nos confrères de France 2. Il a bercé votre enfance, nourri votre imaginaire et même façonné la société. Son nom est devenu une marque. Vous connaissez forcément Disney, mais connaissez-vous Walt ? Dans la tête de Walt Disney, il y avait sûrement un lapin, un petit bout de France et même un train à vapeur. Le petit Walter grandit au fin fond du Missouri, une ferme, un père autoritaire et une passion naissante. Son oncle est conducteur de train. Lorsqu'il passe, il prévient toute la famille. Walt Disney monte alors sur la colline pour le saluer. Le début d'une longue histoire. Car chez Disney, les trains sont partout. Et jusque dans sa propriété de Los Angeles. Un train à vapeur miniature 2 km de rail, une folie qui lui donnera plus tard l'idée des parcs d'attractions. Bienvenue dans cet endroit enchanté. Bienvenue. Dans la tête de Walt, il y a aussi un petit bout de France. Disney, symbole de l'impérialisme culturel américain. Et pourtant, ses ancêtres ne venaient pas du Missouri, mais d'Isigny, made in Normandie. Bon, c'est vrai que ça remonte un peu. Ses ancêtres sont partis à la conquête de l'Angleterre avec Guillaume le Conquérant, puis ensuite par l'Irlande, le Canada et enfin les États-Unis où Walt Disney est né en 1901. Et effectivement, ce nom, Disney, en deux mots, D'Isigny, s'est contracté avec le temps et est devenu Disney. Walt Disney découvre la France à 16 ans. Il s'en inspirera toute sa vie. Dans ses films, Carcassonne devient le château de la Belle au Bois dormant. Le Mont-Saint-Michel, celui de Réponse. Mais son coup de cœur, c'est Paris, une source d'inspiration inépuisable. Dans la tête de Disney, enfin, il y a un lapin. Et oui, il n'y a pas que les souris dans la vie. Le premier personnage créé par Disney s'appelle Oswald, ce lapin. Mais Disney perd les droits au profit d'un autre studio. Il doit repartir de zéro, quoique. Il imagine une petite souris qui ressemble beaucoup à Oswald, avec des oreilles arrondies. Son nom, Mortimer. Mais la femme de Disney trouve ça un peu guindé. Ce sera Mickey. Et le patron assure lui-même le doublage. Hey, Poodle, here she comes! Walt Disney est mort il y a près de 60 ans. Mais ses personnages, eux, sont immortels. Pour marquer son 100e anniversaire, Disney a fait de son étoile la vedette d'un nouveau film d'animation, Wish Asha et la bonne étoile. Rencontre avec l'équipe qui a créé ce dernier Disney. Parmi les voix françaises, vous reconnaîtrez peut-être Lambert Wilson en Roi Magnifico, Isabelle Adjani en Reine Amaya et Gérard Darmon qui double le chevreau Valentino. Imaginez un lieu où les vœux sont exaucés. Un lieu où vos désirs les plus profonds deviennent réalité. Fawn et Chris, hello. Fawn et Chris, bonjour. Félicitations pour le film. Thank you. Merci. Le film s'appelle Wish, qui veut dire souhait en anglais. La chanson Quand on prie la bonne étoile de Pinocchio est devenue l'hymne de Disney. Pourquoi ce thème de faire un vœu est-il si important pour Disney ? Je pense que lorsque l'on fait un vœu, il y a cette force, cette passion dans votre cœur, un désir pour quelque chose. Normalement, on fait des vœux en regardant les étoiles, on ressent un profond désir. Et assez souvent, quand nos personnages font un vœu, ils chantent. C'est presque une obligation de chanter. C'est tellement d'émotion. Le grand thème du film, c'est qu'il n'y a rien de plus fort dans l'univers qu'une personne avec un vrai souhait qui vient du cœur. Aujourd'hui, les histoires de Disney sont très différentes de celles de Cendrillon ou de Blanche-Neige. On a pu voir un guerrier asiatique dans Raya et le dernier dragon, une adolescente colombienne dans Encanto et le premier héros gay dans Avalonia, l'étrange voyage. Dans Wish, l'héroïne Asha est afro-latino. Il n'y a pas un soupçon de romance dans le film. Pourquoi ? On est dans le thème du souhait. On parle de quelqu'un avec une passion qui désire ardemment quelque chose. Et son souhait dans le film n'est pas seulement pour elle. Elle a un côté unique auquel on s'attache. On a envie qu'elle réussisse à faire en sorte que tout le monde en ville puisse réaliser ses rêves.
On ressent vraiment l'excitation autour de ça et le combat que cela représente pour quelqu'un d'en vouloir davantage pour tout le monde. Je suis tellement angoissée que je vais m'évanouir. Ma meilleure amie, apprentie du roi. J'ai la mâchoire bloquée, j'ai l'impression qu'elle est bloquée. Je prête ma voix à Asha, qui est une jeune fille de 17 ans, qui a grandi au royaume de Rosas, un royaume où tous les vœux peuvent être exaucés. Son action prend tout son sens quand elle réalise les vraies intentions du roi Magnifico. Il est de ma responsabilité d'exaucer uniquement les vœux que je sais bénéfiques pour le royaume. Alors, la plupart de ceux qui sont là ne seront jamais exaucés ? Mais je les protège comme tous les autres. Ce que j'aime bien jouer dans un personnage comme ça, c'est un peu la folie, cette mobilité d'humeur qui revient très souvent au charme et à l'enjouement. Ça me ressemble. Je pense que l'on vient de me menacer. Qui oserait vous menacer ? Mon personnage est celui de la reine. C'est une femme qui est aimante, dévouée à son mari, qui devient celle qui va défendre son peuple. En faisant opposition à son mari. Même pas mal, j'arrive ! C'est un petit chevreau, très attachant. Il a un caractère très puissant, très fort. Et il va un peu se prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire pour un grand chef. Il a ce côté, tu as la belle voix que j'ai, etc. Il est très, très comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Valentino ? Ne mange pas ça ! Ça marche pas. La magie, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Oh ! Je parle, moi, je parle. Ah, et en plus, j'ai une voix de velours. Vous avez tous les deux travaillé sur La Reine des Neiges, immense succès. Vous avez remporté l'Oscar du meilleur film d'animation pour le premier film, qui a fait plus $1 milliard au box-office. Le deuxième film a fait encore mieux. Comment vous expliquez ce succès ? Ce succès, c'est vraiment cet amour si familier entre deux sœurs. Je pense que c'est dans cette relation que les gens se sont reconnus. Il y a tellement d'éléments, une musique géniale, des personnages attachants, beaucoup d'humour, mais ce qui est au cœur du film, c'est vraiment la relation entre Anna et Elsa. Il y a beaucoup de parents qui vous aiment autant qu'ils vous détestent pour libérer et délivrer. C'est de sa faute. Et vous pouvez encore l'écouter ? Absolument. Elle a un truc, c'est une super chanson. Je m'en souviendrai toujours de ce moment, l'un de mes préférés encore aujourd'hui, où j'ai vu quelqu'un dans ma ville. Je ne savais même pas qui c'était. Un homme d'âge moyen. Il était en train de conduire sa décapotable en chantant à tue-tête « Libéré, délivré ». Et là, je me suis dit, c'est imbattable. Cette année, Disney fête ses 100 ans. Est-ce que vous avez un film préféré ? J'ai grandi en regardant Dumbo avec mes frères et sœurs. J'adorais ce monde fantastique avec tous ces animaux qui parlent. Mais c'est l'ère des films musicaux de Disney dans les années 90 qui m'a vraiment transportée et donné envie d'être artiste. Je me suis mise à rêver de travailler dans l'animation chez Disney. Vous avez travaillé sur beaucoup de films. Quels sont les ingrédients pour faire un bon Disney ? Je dirais de bons personnages. Et dans mon cas, beaucoup de films sur lesquels j'ai travaillé ont une musique incroyable. Les chansons ont une vie au-delà du film et les gens les intègrent dans leur quotidien. Et parfois, elles prennent une signification différente de ce qu'elles avaient dans le film, ce qui est génial. Il y a aussi l'humour, l'émotion, le cœur. Les films Disney ont toujours du cœur. Chris, si je ne me trompe pas, le premier Disney sur lequel vous avez travaillé était Rox et Rookie en 1981. Tarzan est le premier que vous avez réalisé. Si vous deviez choisir le film qui, selon vous, a eu le plus d'impact sur le monde, quel serait-il ? Eh bien, je remonterais probablement jusqu'à Blanche-Neige, étant donné que c'est le tout premier long-métrage d'animation. Ce film a ouvert les yeux des gens sur les possibilités de l'animation. Ce n'était plus seulement des courts-métrages, donc oui, je dirais Blanche-Neige. Pour célébrer les 100 ans de Disney, j'ai demandé à mon fils de me prêter ses cartes quiz. C'est parti. Vous voulez bien prendre une carte ? Une carte ? N'importe quelle carte ? Qui aide Mulan à s'entraîner ? Qui aide Mulan à s'entraîner ? Mushu, non ? Il y en avait plusieurs. Et il y a aussi les trois amis. Je ne sais pas, j'allais dire Mushu, mais je ne suis pas sûr. Li Shang, je vous donne une autre chance. Vrai ou faux ? Mulan tire un boulet de canon qui provoque un tremblement de terre. Non, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est une avalanche. C'est exact.
Chris, vous avez Blanche-Neige. Vrai ou faux, Simplet est le seul nain à ne pas avoir de barbe. True. Vrai. Correct, bravo. Juste une dernière question. Quel film Disney représente le plus le monde d'aujourd'hui? Je dirais probablement Wish. Les films que nous faisons sont intemporels, mais ils sont aussi d'actualité. C'est un film d'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Et faire un vœu, c'est vraiment universel. Tout le monde a un souhait au fond de son cœur. Et pour terminer, dans le cadre des célébrations des 100 ans de Disney, il y a deux expositions passionnantes qui ont ouvert à Londres et à Chicago. On va se quitter avec quelques images. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos réseaux sociaux et sur France24.com. Merci de votre attention. À très vite.